l'état d'urgence lancé sur tout territoire national là et c'est premier ministre Garry Conille, mesdames et messieurs, qui passait l'autre ça. Et dans le moment où on a parlé là, faut que nous disions qu'il y a un pile journaliste qui ont même et joué un gros message choc dans le premier ministre Garry Conille, des journalistes qui prennent plaisir dans rentrer en bas toute fouque policiers qui ont mené opération. Et hier, je dis là, premier ministre Garry Conille qui passait l'autre là, eh ben personne moune pas gen droit mettre pied sur territoire côté et l'état ou bien la police a mené opération parce que ou gen droit prendre balle ou gen droit mourir parce que c'est pas comme ça journaliste ou rentre en bas toute fal policier en bas toute fal ou filmer ou faire live ou dire merci si mais c'est là tout le monde qui fait genre des actes ça ou premier ministre Garry Conille passer l'autre pour mettre yo en bas code. Ça veut dire là, nous avons l'impression que nous avons un résultat qui baille parce que les opérations ont mené. Et puis, les journalistes ont fait live, ils ont dit, mais qui côté chahé, mais qui côté policier? Non, ce n'est pas bon, ça ne va jamais faire dans aucun pays, les, la police a mené opération. Parce que par exemple, qui connaît, qui est souillé, il pas connaît qui journaliste, est-ce que c'est vrai journaliste ou il n'y a pas connaît tout, qui mission ou a vu régler sous terrain, côté la police a mené opération. Et bien, Garry Conille, vous voyez, pinga, bah, tout journaliste, mesdames et messieurs, si toutefois, c'est pas, eh bien, autorité ou qui dit, mais tel journaliste, qui doit sur les lieux, les opérations a mené, ou même, ou pas, qui doit mettre pio là, ça ou prend, c'est pas ou, eh bien, lancer opération ça lancer là tout pour capable nettoyer pays ville par ville province par province caille par caille premier ministre Garry Conille ces déclarations ça le fait jodi là que nous pas entendre dans vidéo ça il faut que nous toute la police frappe et commissaire Muscadin continue à frapper tout et gagne l'orage qui boule monde c'est notre information que nous gagne que nous pas inviter au tendez dans vidéo ça pour ceux qui nouveau sur channel ça qui pourquoi abonner avec nous TV la caille pas hésiter faire ça qu'on y a même pendant et ou regarder et vidéo ça yon façon pour capable rester connecté avec nous pour capable et ben toute dernière information yo sur ça qui a passé dans pays d'Haïti en écoute comment ça est n'a pas tourné plusieurs monde et l'eau est arrivé tout hier et ben n'a pas avancé mais toutefois dire n'a touché dossier de sécurité non, par rapport avec déploiement la police qui déconseille avec police Kenya l'armée d'Haïti qui au même finalement là fait une démonstration de force dans l'air métropolitain là, plus précisément en bas la ville là, pour que dans le cadre de déploiement, ça a pénétration qui fait, dans le cadre d'opération qui déjà commencé, et nous là déjà gagné plusieurs blessés, gagné tout, gagné des victimes, des blessés mortellement, et nous là même bon Radio Caraïbes là, gagné des gens qui mourir, et même apprêté en bas la ville là, plus précisément zone Grand Oui, côté que nous avons gardé. Comment policiers qui n'ont même mieux te mettre pied au terre, la police ils ont mieux, l'armée d'Haïti te mettre pied au terre, non taxo côté que yo arrivé envahir zone ça, et ben nous elle a dit nous avons des images drone à bail, bon nous pas fin préciser est-ce que c'est drone qui zo gens au là mais nous avons des plusieurs images drone pas bail, faut en faire connait que c'est drone ISO, mais nous t'a regardé bon côté bandio et ton petit gens était casuel. Donc, ça veut dire, mais ce n'est pas tellement répliqué avec les forces de l'audio. Mais toutefois, c'est une opération désormais qui commence. Est-ce que les paroles, et dialogue là sont stratégiques? Eh bien, bon, surprise qui va là, et c'est arrêté, mais la police déployée sur yo, plusieurs chats blindés, eh bien, coup de balle vers Mikalao, eh bien, déjà la dîme, en bas la ville, elle a déjà décrété, comme déjà détenu un champ de bataille côté que la police, l'armée d'Haïti, et accompagnée de M. Kenéo, et bien, ils font apparition sous bandit là, sans qu'ils n'ont pas connaît, mais toutefois, c'est son situation déjà, et comment cela a dit, et bien, dans les prochaines heures, elle va aggraver parce que chef gouvernement a annoncé la guerre contre tout bandit. Donc, nous sommes capables de dire son situation qui était très tendue dans le moment où on a parlé là, en bas la ville là. Voilà, donc, mesdames et messieurs, pour nous-mêmes qui à peine branché, évidemment, nous saluons nous. Et oui, nous avons notre première édition, hein, évidemment, nous avons soi-disant démonstration de force, pour pas dire plusieurs blindés, au total de 8 blindés, et PNH, pour pas dire M. Kenya également, qui t'a montré. Moi, je choisis pour me faire un petit parler avec nous, clair, tant que nous avons un sujet qui préoccupe nous toutes, sans être émotion. C'est causé insécurité. Le groupe armé a taillé mandat sous presque 80% de zone métropolitaine et plusieurs autres côtés de l'Empire, comme la Tibonite.
groupe moun sa yo, yo kreye un environnement anarchi ak la terreur. La vie chaque jour dans Port-au-Prince tourne une bataille pour survivre. Famille a vivre dans un cœur sauté tout le temps. Déplacer libre dans Port-au-Prince, c'est un véritable calvaire. Dans plusieurs quartiers, ti moun yo pa à l'école encore. Business yo yo ferme porte yo. Et puis l'hôpital ak sante santé mais yo abandonné. La rue capitale noire kounye a tourné champ de bataille. Côté un pile innocent perdu la vie et côté l'espoir t'a semblé beaucoup prête pour boujane. Groupe criminel za yo, yo pas seulement la gè la troubaille dans la vie chaque jour mais yo affecté économie pays à tout. Route commerce bloqué, chaîne approvisionnement yo perturbé et puis investisseurs yo tellement découragé yo pas intéressé mettre l'argent dans business encore dans pays a. Ça qui la guerre économie pays a en dégraba. Ça crée plus pauvreté et chômage et la guerre compatriote nous deux bras pendiers sans espoir. Impact humanité a même c'est pas parlé. En pile milliers moun qui te caillou pour prendre refuge soit ka ami ou bien un parent et surtout nous ouais ça. Dans une série de abris provisoires qui chargeaient avec mon déjà. Car des Jacques utilisaient comme une âme pour contrôler communautaire. Femmes actives en particulier, ces victimes principales de crimes. Ils ont souvent kidnappé, violé, et puis forcé à faire ça, ils ne peuvent pas faire en bas menant des âmes. Jacques, ils ont quitté Mac physique, acte psychologique, qui a duré longtemps. Pas seulement sous victimes directes, mais tout sous famille et communauté. Système santé qui était déjà faible, vient plaire à victimes de violence et de monde qui souffre à cause de l'effet direct de tout problème. Sa yo. Insécurité alimentaire paraît clé. Et pourcentage de malnutrition qui augmente plus tous les jours. Situation tragique, ça vient plus grave avec un climat impunité côté justice là va être un rêve. Corruption avec la PRS envahit institution qui fait les vies plus difficiles pour autorité répondre avec efficacité. La justice a une grosse difficulté pour les appliquer la loi comme ça doit. Situation désastre exige une action immédiate et décisive. Nous ne pouvons pas permettre au groupe armé de continuer à faire le peuple noir en otage, ni dans la capitale, ni dans la Tibonite, ni dans aucun autre côté de pays. Remettre la sécurité avec l'ordre de Port-au-Prince, c'est une priorité absolue pour l'équipe transition. À ce moment, je viens d'annoncer que moi, avec le support du conseil présidentiel, pour le mettre en application, il y a ensemble de mesures concrètes et décisives pour combattre la sécurité et rétablir la paix dans le pays une fois pour toutes. L'initiative ça pour marquer un gros virage dans la bataille contre Calversa. C'est le résultat de plusieurs semaines de planification et de discussion avec la police nationale d'Haïti qui est supportée par Kenya, l'armée d'Haïti et le service renseignement à travers le pays. Autorité pays, je dis, premièrement, décréter état d'urgence sécuritaire dans toute commune qui trouvait en bas contrôle gang. État d'urgence pour le gouvernement, les outils et instruments nécessaires pour agir, couper bandits et puis rétablir l'autorité de l'État. 14 communes concernées par mesure ça. Pour qu'on y a, moi, je demande aux populations dans les communes qui concernent pour être vigilants et calmes. Consigne sécurité a vint de temps en temps et gouvernement, de gouvernement seulement et à travers réseau officiel seulement. Dans un moment difficile, ça, il est important pour nous être jambes, unis et puis disciplinés. Collaboration avec engagement nous important en pile.
pour nous traverser la crise avec succès et puis rétablir un Haïti qui est en sécurité et qui a prospéré. Je profite de nous tout pendant que je salue le gros travail journaliste, surtout dans les médias sociaux, qui a couvert sous qui Jean la police a clamé à protéger la population. Je demande de éviter de faire un reportage qui a baillé des informations sur la position de force l'audio à qui Jean l'opération a déroulé. Quitte le reportage en direct, quitte le pas en direct. Deuxièmement, je demande PNH à support force Kenya à force la Médaïti pour commencer petit à petit déploiement à coopération dans la zone que nous ciblons sous base plan que nous établis. Objectif final, là, c'est reprendre toute zone sous contrôle gang, caille par caille, quartier par quartier et ville par ville. Troisièmement, je demande au ministre de Justice là, pour faire tout ce possible pour renforcer, presser, le système judiciaire là, pour ne pas continuer à avancer. Un système judiciaire fort, sans force côté, mais c'est pour tout le temps n'importe société qui est en sécurité. Nous allons travailler pour renforcer l'indépendance de la justice, là, pour combattre la corruption et pour assurer que chaque citoyen, quel que soit le statut, est égal devant la loi. Pour finir, je vais lancer le jour qui vient là, une campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité. Chaque citoyen doit se sentir impliqué et responsable pour la sécurité de la zone. Nous pouvons encourager la coopération entre la population et la force l'audio parce que c'est ensemble, dans l'unité, que nous pouvons surmonter l'insécurité. Compatriotes, le processus nous commence là, mais il n'est pas facile. Et je vous dis, il n'est pas rapide. Moi, je voulais mettre ça clair dans la tête. Non. Exemple pays dans le Salvador, Colombie, Jamaïque, qui gagne 10 fois plus de ressources que nous, confirmez-nous que la bataille pour mettre un pays dans l'état normal, demande tant à la participation de toute société. Mais songez tout, que moi, toujours dit nous. Haïti n'a pas perdu et Haïti n'a pas perdu la bataille. Ça. 1804, mariage la main indigène avec la population de Banou Indépendance. En 2024, ça, nous devons réaliser mariage force Claudio avec la population pour libérer Haïti en bas de toute qualité bandit qui a tout violé et puis appauvri malheureuse et malheureux.